Betuzola banda ansenema ya betu ya jeudi ya bubiye na kumbu ya Yesu Kristo. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les pavis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon. Chantez en l'honneur de son nom, car il est beau. L'envona qui yenge me pesa manabeno, yina me katuka nanzambi tata, pena Yesu Kristo ina kele fumo na mvulusi ya beto. Amen. Amen. Betke imbila mkunga ya 525 ya rekeo kintuadi, buna tuwe na imbila tuwa imbila. Buna tuwe na imbila tuwa imbila, kwa tuwa imbila yeo kwa. Nous allons prier. Donc, au bon de là, nous sommes tous les deux, 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 nous sommes tous les Na inange mekubika beto kilokola yai. Ya kuiza buwabwa na diaka na nge. Nge vandiki na beto na suka. Nge metala mbote tila pre midi ya jeudi yai. Beto kuiza diana kufana kintuadi ya nange nzambi. Na kutambula diaka ya nge nzambi ya moyo. Nina inatata doza na posa na yo. Na posa na yo katina eyanga ni oye. Po ete ezala bisote. Mekas ezala ndemo limo santu katina biso nyonso. Po yeba kutambuisa eyanga ni oyo. Po ete lokumu ezana yo moko nzame na biso. Kuizi ya nge na mengi ya nge iso. Nge suku la beto sabu nge meza baba na suka teki loko la yae. Nge meza mchini betume kudiata. Seteno wa betume kusumuna. Bulongo ya nge. Seteno wa pike betume kusala yine ya kufwana kana vena tuwale ya nge tata nzambi. Yavana na nzonzolo. Yavana na ntalulu. Yavana mavanga. Yavana ndiatulu. Yavana mayindu. Tata nzambi tangu na ngege na kutalila beto. Nge meza baba chetume kulungisa nzolo ya ngeve. Nina ina tata. Bika menga ya nge na kutenglu waka na mkulusi fumi ya beto Yesu Kristo. Ya sukula beto. Ya velisa beto. Ya lungisa beto na tuwale ya nge. Pour que tu ne nous regardes plus au péché. Mais que tu nous regardes au sang de ton fils Jésus. Qui a coulé à la croix. Samuna kiloko la yae. Yela nge mekubika na kati ya beto tata nzambi. Beto kutambula ya pekesi ya mazulu ya fulu kapena kate beto nyonsu na bayina kena kulana na audio. Bisika na bawi kele ya vana na Congo, ya vana etranje. Tatanzambi tumegye kula bawi nyonsu. Sambeto nyonsu beto vana vakimosi na ntuale nge tatanzambi. Na kutambula ina ngeme kubika na kate beto na kilokula yae. Kemosu ya nge nzambi. Si kwa ya nge na nyonsu na nge kunata beto na kutambula. Matone, na kumbia isu, betu mekuloma yao. Amen. Amen. Bien aimé, mambu ya nzambi ya mezoza na beto, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et qu'il donne la vie éternelle. Ni nazili ya mambu yina, mouzula zonza na beto nyonsu.
yina kena kate kituwa diyae, kituwa dipena ba yina kena kulanda betu na itranche, na ba isi ya nzenza, bisika na bisiki na ba wikele, betu nyosu na kituwa di mbote ya betu mbote mbote na biso mbote bana na zame mbote na biso mbote matono betu kuiza na kiengi ya fumu za mitambula betu pe nuzulu ya nipe ya kufanga mape na kati ya betu nyoso pe nzambia ni dispose batimi ya betu samuti na nyosu na nimekubika na kati ya betu na kilokola yai mtu mtu ya nitambula mtu ni kelu zulu ya nzambi epe na kulakisa kiesi ya betu na tuwale ya tata nzambi bako yemba biso lo yembo oye kokotsa biso na kosepela liboso na tata nzambe. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai, je chanterai. Responsable de la paroisse Mayangi va dire une prière d'illumination pour que Dieu dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole. Nzambe tata na biso nkolo na nguya nyonso tolingi na tango yo kokota na koyoka maloba na yo yaka yo mokolo bakati na mitema na biso nzambe sali la kati na nguya emolimo mosantu mosali oyo bongisi pona kote ya bampate na yo. Sali la kisielu yenge tata nzambi. Ina ngame sola na nkokila ya la pramidi ya jeudi. Na kupesa ndongo solo kati na libundu yenge. Oh, tuande likete nkolo. Molimo na yo asili kotondi sa yepo na kote ya lingomba na yo. Loba, bala noba zaliko yoka na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Matondo pe tozo kota na koyemba loyembo ya l'heure de la victoire pona kobongisa mitema na biso na koyoka liloba na Nzambe. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que je suis loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité.
mingi betke na baka ba biblia beto na betke kan fisibula ya na Jacques chapitre 1 verset 2 à 4 betke kwenda na kutanga kibuku ya 10 na zoli kulutu ya paroisse ketangila betche na Lingala pe na sima tokotanga na français dona lo poto Jacques. Chapitre 1, 2 à 4, et nous lirons aussi le verset 12. Jacques au chapitre 1, 2 à 4, et nous allons lire aussi le verset 12. Totangi malwananzambe na kombo Yesu Masia, Jacques 1, 2 à 4, peut-être que tu as verset 12. Bonde konangai, bande konangai, soki ba pasi ya ndenge na ndenge zali kokwe la bino, bo sepe la kaka. Pamba te, bo yebi te, soki na tango ya pasi, bo simbi, bo njimi, na molende nyoso, nde bo kokoka ko kanga mitema. Bo bele soki, bo yebi ko kanga mitema, bo ko zala bato ya kokoka na makambo nyoso. Pe bo ko zanga ata eloko moko te. Verset 12. Esengo na moto oyo akangaka motema tango azali kokutana na bapasi ye azali lokola moto oyo alongi na lisano Nzambe akopesa ye bomoi oyo alakaki na bato balingaka ye Amen. 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 Et nous lisons en français et nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Au verset 12, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Matondo na mambu ya nzambi ya betine kutanga. Yame kotia betu na enseignement ya kokila yaye. L'enseignement de ce soir portera sur les épreuves. Sont des canaux pour le renforcement de notre foi et de notre confiance en Dieu. Les épreuves sont des canaux pour le renforcement de notre foi et de notre confiance en Dieu. Autant toi, yakele banzila, yina ke kotsa kabeto na kulime na miansi, na kati na kimilu ya beto, epe na kutatama na kuleki la kimilu na tata. Nzambi. Na tata nzambi. Bien-aimé, il y a des chrétiens qui n'aiment pas des épreuves. Fort curieusement. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas des épreuves. Il n'y en a plus qui n'aiment pas être éprouvé. Il y a que ma cliso mingi, bazo la veke ma kouton toi. Bazo la ke mo ya bao, ya talana c'est comme si tout marche comme sur des roulettes. Kondo akubakula, ce que c'est que les épreuves. Bien aimé, nous devons savoir une chose. Que quand nous sommes dans le Seigneur, nous devons aussi faire l'objet des épreuves. Il avait tout que yon a fumo, meto fana zaba, ke meto fana voana ba yon a fana kou. Ton toi. Oui. Nous nous demandons souvent à Dieu la foi. Peut-être que l'on m'a dit à Tanzan, puis à Bissot Kondima. Peut-être que nous sommes nous. Et nous ne sommes pas les seuls à le demander. Même les disciples aussi ont demandé à Jésus, Seigneur, augmente-nous là, la foi. Bah ou paix, bah l'on m'a dit à Yus. Ce qui est au Seigneur, qui n'est pas dans Zambé, puis à Bissot Kondima. Missus même à Kenela Koloba était, puis à Nga Kondima, il y a Job. Yeah! On dit, mais Job, Ogogoka. Mais au moins, ce que je sais, pour ne pas trop rentrer en longueur, Betke Zosa Kanasiki est à Tanzambi, à Piabisoko, Kondima. Ne le kola nasili koloba ete, ba disciple pe, ba sengaki epana Yesu, Nkolo, kolisa bitope na kati nako, Kondima. Tondisa bitope na kati, ya Kondima. Augmente-nous la foi. Et quand tu demandes la foi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir. Que la foi sans épreuve, elle est morte. Ngeke lo men pesange kiminu. Ina nge pesange kiminu wet fana bakula ke. Kiminu ya kondwa. Ya kondwa.
Couton toi, il y a que le kimino, il y a bamba. C'est une foi chancelante. Il y a que le foi de la kousalati, nge na kwena tamana yisu. Asi ke nge na kwena tamana yisu ve. Minu ki kondolo to toi ke na kia siyama kwe abalani. Yabenzami wa mutondwa. Yabenzami wa mutondwa. Wamubamba mwana andi mose kavana. Boso kayulu anyoka. Nzambi be loma na sike ya abala mi. Na kopesi ani mwana mutinu kayulu. Api ya mwana lokola mbeka. Le seul et unique enfant. Inalme kufingila ye. Dieu lui a fait la grâce. Na kutambula mwana. Mwana ya silulu ni mwani na penza miketula mesu. Yani kupesa yani yao. Mutinu nkayulu. Ah, abala mipe na kumanga asike. Yeah. Yani baka mwana na zila bake na kukwenda. Yina bake na kukwenda mwana vame kumadizana majila. Yani meje mana na meyifuna na tata. Miina betiki na kwenda kwa kibulu wapi yao. Tata ti Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. En fait, la foi d'Abraham le conduit à faire comprendre à son enfant que dans cette situation, il n'y a que Dieu lui-même qui a le contrôle. Dans cette situation, il n'y a que Dieu lui-même qui a la paternité. Il y a dit Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Alors qu'il pouvait manifester ses regrets auprès de son enfant et dire ah, moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je Awa tozoke nazoke ne kopese yolo kola mbeka. Soke okoko yeba. Me Abraham pote alo babongo. Asike yeah. Alobi bongo te. Alobi ete Dieu pourvoira. Ati nzambe liboso. Yan me tula nzambe nan toala pour montrer que c'est Dieu qui avait le contrôle de la situation. Bien aimé, quelle que soit l'ampleur de ta situation. J'aimerais que tu dises comme Abraham avait dit que Dieu pourvoira. Même si jusqu'à présent tu n'as pas encore reçu. Mais que tu puisses avoir l'assurance à cause de ta foi en Dieu, que Dieu pourvoira. Même si tu n'as pas encore eu, même s'il y a en toi des doutes, j'aimerais qu'à travers cet enseignement, que tu puisses avoir cette assurance, comme Abraham, que Dieu pourvoira. Il est capable de pourvoir. Même si tu as des problèmes de sécheresse financière, ou tu mets vanne ou 100 000 et on a souka yaï. Et nous allons encore prier pour ça. Na kokila yaï. Zabati Dieu pourvoira. Même si tu as des difficultés de gérer tes finances, sache que Dieu pourvoira. Parce que Baikaka Serme Simambongo, c'est à ce moment-là que les problèmes surgissent. Serme Zambongo, c'est à ce moment-là que la maladie surgit. Serme Kouzambongo, c'est à ce moment-là que les ordonnances me koukouma. Mais sachons une chose, quand on est dans le Seigneur et quand on a pleine confiance en lui, Nzambe na kubika beto, ainsi que Nzambe ke bika ke anve, il pourvoira. Il pourvoira. Il fera ce que nous manquons, ce dont nous n'avons pas encore en ce moment précis. Nzambe ke akulunga na kusala ti beto kutambula yao. Est-ce que nous le disons souvent, bien-aimés? Est-ce que nous le disons souvent quand nous sommes confrontés à des difficultés? Est-ce que nous disons comme Abraham dans la foi, Dieu pourvoira? Dorénavant, bien-aimés, à travers cet enseignement, prenons le soin de reconnaître que Dieu est l'Éternel, le Dieu qui pourvoit. Quand Abraham est arrivé au lieu du sacrifice et qu'il était prêt à sacrifier le seul et unique enfant, alors on a qu'il okolel me kwandinga et tata, zaz. Mais on s'est écouté là, na louek. Il a mis na louek akuna, il y avait un an qui était déjà là. Yavanikuna, Yinanzambaneko, Kubika. Bien aimé, sachons une chose. Quand Dieu nous met à l'épreuve, il a déjà prévu la solution. Amen. Amen. Quand Dieu nous met à l'épreuve, il a déjà prévu aussi la solution. Tangu Yinanzambi, Kota, Kanoksala, Tibeto, Kuton, toi. Yalme Kubika, Penzile, Kubasabeto, Nakatiya, Kuton, toi, Yina. Yalme Kubika, Yao, déjà. Voilà pourquoi nous n'avons pas le droit. Ya kukubwa na tangu na bete kotaka na kati ya ya tontolo. Voilà pourquoi na kati ya tontolo bete metanga na kati ya mamu ya nzane. Nous devons persévérer. Persévérer dans la prière. Et en persévérant dans la prière, nous devons apprendre aussi à être patients. Parce que la patience est importante. Bantu mingi pendant qu'ils persévèrent, si leur manque la patience, bake kote na kati ya libakani. Le bakani ke kota ba même na kudute diaka na tata, nzambi. Le bakani ke kota ba na katia incrédulité, na kulekila diaka ve kimi na luzo le tata, nzambi. Voilà pourquoi nous devons persévérer. Quand Dieu met quelqu'un à l'épreuve,
Il a aussi prévu la solution, comme il a fait avec Abraham. La parole de Dieu dont nous avons lu, regardez comme un sujet de joie. Les épreuves par lesquelles vous êtes exposés, ça doit être un sujet de joie. C'est surprenant pour ceux-là qui ne sont pas habitués. Parce que nous sommes et même la temps on a passé. Même à ceux qui n'ont pas été bolole. Même ceux qui vraiment n'ont pas été boyoko. Oh, bien-aimé, il y en a qui s'éloignent même de Dieu. Moutino ma ndouma moussi. Moumeta mouli anime kouiza na biro. Yanti, ah, papa. Moukena kou sambi la me moukena kou tamboula ve. Ata moukena kou louta nan zila. Ata bakala ke bokila moun. Donc, il y a un programme me tamboula. Yanti nan gege na kou louta pour montrer que non, que zambé zo lange, il faut abakala wa bokila nan zila. Ngege na kou sama kwe la, luka oya nzambe, luka oya tata. Zambe. Zela oya nzambe, zela oya tata. Zambe. Zela oya tata nzambe. Vingila yina, ya tata nzambe. Parce que quand on raisonne ainsi, on n'est pas réellement enfant de Dieu. Mwani na kena kuzonza tiani kele mwani nzambe, kondimana ye eza na kati na nzambe, ata na kati na pasi, ata na kati na boyoko, ata na kati na bozangi, ayebi ete nzambe po na kotika ye. Asi ke, Dieu pourvoira, Dieu pourvoira. Oh bien aimé, la joie d'un enfant de Dieu, c'est de savoir que face à l'épreuve, nous savons que Dieu a déjà prévu la solution, la réponse. Une personne qui est ferme dans sa foi, bien aimé, c'est une personne qui espère dans le Seigneur. Il sait que Dieu le fera sortir de cette situation malheureuse. Il sait que Dieu le fera sortir des blocages. Il sait que Dieu renversera des blocages. Il sait que même si les ennemis pourront se lever contre lui, il sait que Dieu les confondra. Il sait que Dieu se lèvera contre ses ennemis. Il sait que ses ennemis seront confus. Il sait que ses ennemis seront confondus. Même devant qui se sont levés contre toi, mon frère. Devant ceux-là qui se sont levés contre toi, ma sœur, que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire face à ceux-là qui se sont levés contre toi, contre ta maison, contre tes enfants. Et ceux-là qui ne voudraient même pas que tu rentres dans cette année 2021. Que Dieu les confonde. Que Dieu fasse à ce que la confusion soit de leur côté. Que la confusion soit leur partage. Ceux qui veulent notre mort, ceux qui en veulent à nos enfants. Bien-aimés, quand on a la foi en Dieu, Dieu ne peut pas permettre cela. Parce que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, mon frère, ma soeur qui est en train d'écouter cet enseignement. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi, maman, qui commence à désespérer. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi, mon frère? Parce qu'on t'a levé dans Kisalou. Si Dieu est pour toi, bien aimé, même si la porte a été fermée quelque part, Dieu fera à ce que notre porte s'ouvre quelque part. Amen. Et Dieu est capable d'ouvrir une porte plus large que là où tu étais. C'est-à-dire que tu es là, que tu es là, parce que Zambi, il y a des gens qui ont Zambi, il y a des gens qui ont ya yandi. Il y a des Zambi, il y a des gens qui ont ya yandi. Il y a des gens qui ont ya yandi. Bien aimé dans le Seigneur, beto vwanda, ba ina ke kanga manzambi. Sachons une chose. Baïla nyon son zambi zula kousala puissamment. Dieu les a toujours mis à l'épreuve. Dieu les a toujours mis à l'épreuve. Cela que le Seigneur veut utiliser puissamment. Cela auprès desquels le Seigneur voulait manifester sa puissance ou agir à travers eux. Pour que va na moutine ba yina, yan ke telmisa, pour que à travers bao, bante kakaba tamoula nou, le salousou, zambi ke tula kaba tchou à l'épreuve. Regardez Abraham. Dieu le met à l'épreuve à travers son enfant. Et tant qu'on a nous après, nous avons mis à la kimiluya, y'a yanti. Et nous avons mis à la yiki, y'a une kubikaka déjà, solution. Y'a la ki pembeni kuna. Solution. Abomisa ki déjà. Solution na yo, et assurément pembeni. Solution na yo, mon frère, ma soeur, et assurément pembeni. Ozo yima yima, alors que solution na yo, et pembeni. L'enfant d'Abraham a été épargné.
Oh bien-aimé, tu peux être celui que Dieu peut établir pour qu'à travers toi, que tes enfants soient épargnés. Pour qu'à travers ta foi, que tes enfants soient épargnés. Pour qu'à travers tes prières, que ta maison soit épargnée. Pour qu'à travers toi, que les membres de ta famille soient épargnés. L'enfant d'Abraham était épargné à cause de la foi d'Abraham en Dieu. Donc même nous aussi, Dieu peut faire à ce que nos enfants soient épargnés à travers nos prières. Dieu peut faire à ce que nos enfants soient épargnés à cause de notre foi. Dieu peut faire à ce que les personnes qui nous sont chères soient épargnées à cause de notre foi. Regardons au Seigneur, regardons au Seigneur. Regardons comme un sujet de joie les épreuves par lesquelles nous sommes exposés. Samutime tu fana ku persévérer na lusambulo. Beto fana ku kangama na lusambulo. Samutime de mes maisons a heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il obtiendra la couronne de vie que Dieu a prévue pour ceux qui l'aiment. Bake tambu la koloa. Ça dit ils auront une récompense. Kakeseko. Kakeseko. Oh bien aimé, quelle joie que de savoir que nous avons un Dieu qui a prévu une récompense pour ceux-là qui persévèrent face à la tentation. Quelle joie, oh bien aimé, toi qui n'as jamais eu l'habitude de persévérer dans la prière. Si tu n'as jamais obtenu, c'est parce que tu as souvent eu l'habitude de te refroidir. Refroidissement, kena tangé na kutambu la vie en mot naski etata, nzams. C'est la persévérance, c'est la patience. Yina kena tabayenge, kena tangé na kutambu la yine nzam. Sachons-le, que n'y a pas que nous qui sommes éprouvés. Si nous lisons dans Romains chapitre 16, verset 10, tu vas écouter un nom là, que tu n'as jamais entendu ou que certainement que tu ne savais pas que c'était dans la Bible. Romains chapitre 16, verset 10. Romains chapitre 16, verset 10, je crois que c'est ça, oui, Romains chapitre 16, verset 10. Nous dit quoi, bien-aimé dans le Seigneur, et nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Saluez Apelles. Nous avons dit Apelles, comment ils ont la carte de la Bible. Apelles, yo ozolanda. Enseignement, oyala, voyez, bah, était Apelles, azakat na Bible. Saluez Apelles. Qui a été éprouvé en Christ. Saluez à Apelles. C'est pas, lis ça, maman, mon fils. Saluez Apelles qui est éprouvé en Christ. Saluez Apelles qui est éprouvé en Christ. Donc Apelles a fait l'objet des épreuves. Et épreuve n'a pas été éprouvé. Apelles était éprouvé. Donc même nous aussi, quand nous sommes éprouvés, sachons-le que d'autres aussi ont été éprouvés avant nous. D'autres ont été éprouvés avant nous. Et le peuple de Dieu était éprouvé aussi avant nous. Nous allons lire dans Psaume. Psaume 66, verset 10. Psaume 66, est-ce qu'on peut nous faire la lecture? Psaume 66, verset 10. Car tu nous as éprouvés, oh Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Vous te l'avez dit à comment? Ce 66, verset 10. Voilà. Car tu nous as éprouvés, oh Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Amen. Amen. En effet, tu nous as mis à l'épreuve, oh Dieu. Tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Tu nous as mis à l'épreuve. Dieu les a mis à l'épreuve. Et même jusqu'à présent, Dieu continue à nous mettre à l'épreuve. Bien-aimés, les épreuves sont des canaux. Des canaux, bien-aimés, comme cela a été déjà annoncé. Les épreuves, bien-aimés dans le Seigneur, sont des canaux pour le renforcement de notre foi et de notre confiance en Dieu. Ce sont des canaux. Il y a quel banzi là? Il y a un qui s'est dit là, Samna ku kulisa betu na ki minu. Samna ku katatama na kulekila ki minu na tata. Nzambi. Yakele banzila ya nzambi. Ila nzambi ya moske talaka mbote. Si yakele mbote beto luta na katikati ya yao. E ina betu kelekila ki minu na tata nzambi. Ndi wana ezo tinda biso na koloba. Ete soki nzambi asali okati na basusu. Akoko sala pe katina na ngai. Soki nzambi abongisi katikati na ye oyo. Oto zalaki ensemble na katina lo sambo. Soki nzambi abongisi na ibi ete nzambi akoko bongisa pe di kamona na ngai. Oso kola na katina konzima. Ngeke kota na kukangama na katina kulekila kiminu na tata nzambi. Beto tala Shadrach, Meshach na Abednego tala kiminu ya bao.
Ba meza ba tibake na kwenda kotsa bana kati ya ya tia mebao na kukota na kutremble asike yeah. Na kuvana kati ya kiadi asike yeah. Ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas tremblé devant le roi. Oh bien aimé, ils ont tenu tête au roi. Il en met tout là-bas dans la carte Tia. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Tia, il n'a pas mis le Sophia 7 fois plus. Et si bien qu'il y a l'osa, qu'il y a la carte Tia, bah quoi? Il n'a pas mis côté la carte Tia, la koukoufa. Ainsi que. Samba le kila kimi na katanzam. Devant cette épreuve, ils sont restés attachés à leur Seigneur. Bah mais quand la mananzam yabao, si bien que la carte Tia, au lieu qu'il soit toi, bah mais kouma mena bantu, hein, il y a. Bamekuma bantu iya nzame kulumuka na kuiza kuanture bao. Na kuanture bao na protection ya, ya yani. Puketi ya kuzwa diaka lune nofe na kati ya, ya bao. Bien aimé, quand on reste dans sa foi, quand on demeure ferme dans sa foi, quelles que soient les tentations du diable, quels que soient les projets du diable, ezala oya satana, ya vanda en pleurs, kane ap moutine anke finis asam na mzola sale ya imbi, na katikati ya beto, Dieu ne nous abandonnera pas. D'abord, la promesse a été faite par Dieu lui-même. Je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Zambi ke bika betofe. Donc même attendre monter la blanda en cérémonie. Zambi na kubika nge asike. Regardez comme un sujet de joie les épreuves par lesquelles vous êtes exposés. Regardez Paul et Silas. Quelle épreuve, bien aimé, en prison. Nakatia boloko. Bien aimé, ils n'ont pas regardé à leur chaîne. Ils n'ont pas regardé à l'emprisonnement. Ils n'ont pas regardé à leur souffrance. Bah, Monica, tu n'as pas si la bangoté. Bah, Taleni, tu n'as pas si la bangoté. Mais, Kassi, bah, continue à koyembe la tata, Nzambe. Bah, continue à kokoumi sa tata, Nzambe. On est basé à la kati na mawa, bah, la ki na kati na esengo, na kati na esengo. Regardez comme un sujet de joie. Les épreuves par lesquelles vous êtes exposés. On est basé à la kati na mawa, bah, continue à koyembe la tata, Nzambe. Bah, continue à kokoumi sa tata, Nzambe. Pe na kati na koyebe la Nzambe. Po na kati na kokumi sa Nzambe. Nzambe pe comme Biblie ezali koloba ete. Dieu siège au milieu de louange. Nzambe akiti, Nzambe a akiti. Nzambe akiti, Nzambe a akiti. Tikete Nzambe akita pe kati na ndako na yo. Tikete Nzambe akita pe kati na omoyi na yo. Tikete Nzambe akita pe kati na commerce na yo. Tikete Nzambe akita pe na kati na nyonso oyo zosala. Tikete Nzambe akita pe kati na ba projet na yo. Lokola kitaki asali ete nini esalemi lokola tremblement de terre. Ni les salemi boloko et fongwami ba boloko et fongwami ba chene et katani ba chene et katani atako satana silaki ko kanga yo ba chene wana et katana atako mwini atchaki bana na nzame na katina minyololo na ye na katina enseignement otosolo ba ete na komo na yesu ba boloko nyosu ya satana et fongwama et fongwama et fongwama ya kuzibu kabana na nzame bazwa bosomi. Cela est possible avec le Seigneur. Cela est possible pour toi, mon frère. Cela est possible pour toi, ma sœur. Cela est pour toi, ma mère. Cela est possible pour tes enfants. Yangi qui nous dit la Sam Nabao. Que vont devenir mes enfants? Que vont devenir mes affaires? Que va devenir mon commerce? Ngiyomu qui nous dit yana. Que nous dit là le qui la kimi na tata zan. Ce sont des épreuves par lesquels tu es en train de passer. Regarde cela comme un sujet de joie. Et Dieu va transformer cela parce qu'il est capable de le faire. Sans me supporter tentation et épreuve, na kati ya lulen ya tatanzan, yal me kubika musen. Bika beto nange, beto kota, na kati na programme ya tatanzan. Ya kuzaba que les épreuves sont des canaux à travers lesquels Dieu renforce notre foi et nous conduit à continuer à avoir pleine confiance en lui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Matondo na mambo ya nzambi na betume kulanda na kilokola yai pe mukepesa nzila na kulutu ya bwala sam na kukotisa beto na ina meku talila recitation ya theme general ya beto ya 60 jours ya prière intense. Acte 4, 29 A. Avec Kwende, non? Acte 4, 29 A. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Acte 4, 29 A. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Acte 4, 29 A. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Loubokolo. Thank you.
Nous allons prier pour que Dieu manifeste sa grâce. Nous allons prier pour que Dieu manifeste sa présence. Nous allons prier pour que Dieu manifeste sa puissance. Bisiki na mutante parmi ceux la cause à bisika, zamelite lama. Ceux-là qui se sentaient déjà affaiblis devant des épreuves, ceux-là qui n'arrivaient plus à supporter les épreuves parce que ça dépassait leur entendement, que Dieu se lève pour les fortifier, pour les restaurer et que son amour continue à demeurer en eux et en nous tous. Et Zambie Moko a semo la lobo koné anguya et te bakusala okatina banane o bazana posa et te atelema pona kobiki sabango. Beti kusabila. Zambia beto ngekeni tati abeto. Wap mutchili ya kufutula ngebe maton na biloko ya mutchili yai. Yina nge kulaksa beto na kokila yai, que les épreuves sont des canaux pour le renforcement de notre foi et de notre confiance en Dieu. O tata matondo, à travers des illustrations, toi, notre Dieu, tu nous as montré qu'en toute vérité, oui, les épreuves sont des canaux pour le renforcement de notre foi et de notre confiance en toi. Matondo mikita tanzams, matondo, ngeke kutonto akaba ingina pamba fait, tu ne mets pas tes enfants à l'épreuve, ya pamba. Quand tu mets à l'épreuve, ngeme luengi sabeto, c'est que tu as déjà prévu la solution. Tu as mis Abraham à l'épreuve, la solution était déjà trouvée par toi-même. Et à travers cette solution, tu as épargné aussi son fils. À cause de la foi d'Abraham, son fils était épargné. Tata, salati samuna kuldi nakuleki la kiminu ya beto nange, samuna kiminu ya beto nange. Tata nzami, que les personnes qui nous sont chères, qui sont exposées aux menaces du malin, qui sont exposées aux tentatives du malin, qui sont exposés aux assauts du diable et du monde des ténèbres, Seigneur, que tu les épargnes. Que tu les épargnes à cause de notre foi. Samuna kiminu ya beto nzams. Tata, mwana ya muketu ya musikana na yi, yani tamulalu niyakusu samuna kiminu ya mama. Samuna kiminu ya mama, à cause de la foi de sa mère, Seigneur, la femme de l'enfant de la femme cananéenne était délivrée. Délivrée de cet esprit impur qui la tourmentait cruellement. Elle était délivrée à cause de la foi. Tu as vu la foi de sa maman. Oh, amis, cette maman qui t'a dit, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et sa fille était épargnée de la maladie. Sa fille était épargnée de la maladie. Oh, Zambi, permets à ce qu'à travers nous,
Bah, il n'engage que tout la kimino. Il n'engage que augmenter kimino, mutil babilongo qui permet à ce qu'à travers nous que d'autres aussi soient sauvés. Qu'à travers nous que d'autres aussi soient épargnés. À travers nous que d'autres aussi soient guéris. À travers nous que d'autres aussi soient libérés. Que ça soit dans nos maisons, que ça soit dans nos familles, que ça soit dans notre quartier, que ça soit là où nous exerçons nos fonctions, que ça soit là où nous exerçons notre commerce, que ça soit là où nous exerçons nos affaires. Permet à ce qu'à travers nous que d'autres soient libérés, que d'autres soient guéri, que d'autres soient délivrés, que d'autres soient épargnés. À cause de la foi d'Abraham, son enfant était épargné. Tata, salut Sabet, il y en a qui étaient découragés parce que ma kamwela qui koleke la bango, ma kamwela qui la kibango bakota qui n'a qu'à tel découragement, alors que la kati n'enseignement na yo, aussi les kolak sabis ont été regardés comme un sujet de joie, comme un sujet de joie les épreuves auxquelles vous êtes exposés. Oh, ça, bibibé la ksabet moutinou, paulina silasi, olé na kati yakiad, olé na kati manyongo, ils ont regardé à celui qui était capable de les délivrer, ils ont regardé à celui qui était capable de les faire sortir de la prison. Ils ont regardé à celui qui est capable de briser les chaînes, qui était capable de les faire sortir de la captivité, de l'emprisonnement. Ils se sont mis à chanter, ils se sont mis à louer, ils se sont mis à célébrer des louanges en ton honneur. Et parce que tu sièges au milieu des louanges, tu es apparu et que tu t'es manifesté dans ta puissance. N'yeme kouizan kou là-bas, ni la bête me l'homme à peine n'yezams. N'a ki l'eau kou la yaj. Ba yina nyos moutan fame kou kangak. Ba yina nyos moutan fame kou diyan défi. Makamwe ko bongate, makamwe ko kene li bosote, ata elo ko mokete, eko bongakat na mwwe na bango, na poko ya lelo nzambe, to tele melinyo so oya moyini, to tele melinyo so oya moyini, pe na kombo na Yesu Kristo, to zali ko senga na yo, nzambe na kombo na Yesu Kristo, oye bako fongola. Ba boloko nyoso oya moyini, ba chaîne nyoso oya moyini oye bako kata, kata yango nzabe kata, kata ba chaîne, les chaînes qui retiennent tes enfants captifs comme il en avait été pour Paul et Silas. Seigneur, que les chaînes de la captivité soient brisées au nom de Jésus, soient brisées au nom de Jésus, soient brisées au nom de Jésus. Quel que soit bipai na bipai o bananoyo bazali, o moyini asila ki kokanga, nzame na biso kokanga bango kati na découragement. Ko kanga bango kati na ba déception, ko kanga bango nzambe kati na ba souci, nzambe bimisa bango kati na ba souci, nzambe bimisa bango kati na nyonso o moyini asilaki kobongisa minyololo oyo ya moyini, ezala minyololo ya déception, ezala minyololo ya ba souci, ezala minyololo tata nzambe, quelle que soit forme ya boloko tiketi na kombo na Yesu Kristo, nge zibula ya kula bayange, kula ba kula, Seigneur, nous proclamons la délivrance. Parce que tu es venu pour accorder la délivrance aux captifs. Seigneur, nous voulons qu'au nom de Jésus, que la délivrance soit accordée à ceux-là qui étaient retenus dans la captivité. Quelle que soit la nature de la captivité, quelle que soit la forme de la captivité, quelle que soit l'appellation de la captivité, Seigneur, nous proclamons ta délivrance. Nous proclamons ta délivrance au nom de Jésus. Nous proclamons ta délivrance au nom de Jésus. Et mes onza, heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il obtiendra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Nzame na biso yako kokisa. Yako kokisa. Katina baya yo bazo zela eto yebako kokisa. Oyebako kokisa. Nzame ba promesse na yo katina bana na yo. Yako kokisa. Eza la promesse ya kobota. Eza la promesse ya mosala. Eza la promesse ya voyage. Eza la promesse ya koteka. Eza la promesse ete bako. Affaire et que les libosso et la promesse ya kobala nzambe ya kokokisa yako kokisa yako kokisa loko les ali mokano na yo yako kokisa na kombo na Yesu Kristo lungisa tata nzambe mutienu nge kanisi lake ya na kati ya bayange samuni na ngeme kuzonza heureux celui qui supporte patiemment la tentation car après avoir été éprouvé il obtiendra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Bikange lungisa, mutchini ge kanisala kayao. Kumbu yange yako kembo soa. Mama yange salaka yani silulu tianke kunyaka. Quelle que soit la gravité de la maladie, quelle que soit l'appellation de la maladie, quelle que soit l'origine de la maladie, quelle que soit la nature de la maladie, nakilokolea au nom de Jésus, que tes guérisons miracles soient multipliées, que tes guérisons miracles soient multipliées partout là des malades à guérir, que ça soit dans des maisons, que ça soit à l'hôpital. Seigneur, au nom de Jésus, que tes guérisons miracles soient multipliées et que cette pandémie de COVID-19 soit éradiquée au nom de Jésus, soit éradiquée au nom de Jésus.
soit éradiqué au nom de Jésus, soit éradiqué au nom de Jésus. Kota yinzo yinzo, yina bantu kena kubela, à cause de la foi que nous avons mis en toi. Moutino Abraham Lekila qui minou nangé, son fils était épargné. Betopena qui l'okole à cause de la foi que nous avons mis en toi. Tatanza Baya Beto qu'il soit épargné. Qu'il soit épargné de la maladie. Qu'il soit épargné de toute maladie, quelle qu'elle soit. Et qu'au nom de Jésus, l'unia kusuyange. Yaku monikina. Et que ba silu yange. Nye kulungi sayao. Kumbu yange. Yaku kembo soa. Ma tonne de ce que pendant ces moments de prière intense, tu es à l'œuvre. Et ta puissance rédemptrice est tentée d'agir. Et que le mal est tenté d'être confondu dans ses manigances, dans ses projets. Nye que n'a pas confondu. Mi tant ou pe, nye que n'a pas confondu. Ba, ba, o bala ki kola la pongi à malam ou te, zambé, tike te ba banakola la pongi à malam. Cela qui faisait l'objet des attaques de bêtes féroces dans leur sommeil. Seigneur, au nom de Jésus, que ces bêtes féroces soient anéanties. Que ces bêtes féroces soient anéanties. Que ces bêtes féroces soient anéanties et détruites au nom de Jésus. Soient anéanties et détruites au nom de Jésus. Banana yo, baba nakolala. Pongi ama lamu, lokumu ezala, na yomo konzambe, tatana nguya, tatana bikamwa, o matondo, na inangeme sala, peke tatamana kusala, katikati na bayenge tatanzani, kembo swenge, si kwa yenge, na bayina nyonsu mela na ansenema yae, tatametume lekila kiminu, singeme kulumu na mazulu yenge, eke ngeme sala kemba yenge, batambula mchunge kubikaka yao, na kiloko na yae, samba yenge bako tona nge, pebeto nyonsu, beto tela nge kimbangi, ete yoza nkolo, ete yoza Zambe, ete yo salaka oya malamu, o katikati na bana na yo, kumisama na yo, sanjo lama, nieto lama, na komo na Yesu, to sengi bongo. Amen. Amen. Matondo, na kilokula ya, zamba me kubika beto, pe, betkezo la pesa kifulo, na kulonto ya paruas, pasteur makola pelashi. Matondo mingi beto kene na kiese mingi beti mekudia beti mekuyukutuswa na nzile mambo ya Nzambi na ndilwa mvutu ya ngitukulu na kiselo ya Nzambi. Pasteur Raymond Mukwe, responsable ya paroisse ya Betania Sangolo kuna na konsoir a Brazzaville. Merci pasteur na kiselo ngeme sala Nzambi ya pambola yo pe azongisa yo ya koleka matondi ebele. Matondo, na nyosu na nzame sala, e, bika nzame tatama na kusali sabetu. Na bisika nyosu na betu ikele, regardo o Seigneur. Yani ke nzame na kesali sapeke lungi saka nisolo yanti, na kati ya banya yanti. Matondo mingi. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Inga nzami matono mingi. Na ina ngemela kisabu neni yange lulendu yange okati na bisobana na yo. Pena ba oyo nyoso bazona na kati na audio. Bipai na bipai o bayo bango bazali. Tozongi siyo matoni na nyoso oyo sali okati na biso nyoso. Tiketo okoba kusala peko sembo la luboko na yo ya nguya. Ete nyoso oyo sila kiko bongisa kati na bana na yo. Nzambe oye bako kukisa okati na moko na moko. Kumisama na yo, na kombo na Yesu Kristo, to sengi bongo. Tatala biso azana likolo. Kombo na yo, ezala mosantu. Bokonji na yo, eya. Mokano na yo, esala manase, lokola na likolo. Pesa biso, limba eko kilelo. Limbisa biso, nyongo na biso. Pela moko, elimbisi biso, bango na nyongo na biso. Kamba biso, na kati na kome kamate. Kasi biki sa biso, na mabe. Poete na yo e jali bokonji, na mbuya, na nkembo, lobiko na lobiko. Amen. Amen. Tozo mapamboli o ezo uta epa na Nzambe. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Amen. Amen. Amen.